parce que la dernière fois, il y a eu beaucoup de monde, mais cette fois-ci, nous voulons que tous les camarades partout au Sénégal se mobilisent pour ce procès qui est parti pour ne pas être équitable. Hein. C'est un procès inéquitable parce que l'instruction a été bâclée, le procès précipité. Donc nous pensons que cela n'augure rien de bon. Et aujourd'hui, il nous faut mieux nous mobiliser en tant que camarades, mais mieux nous mobiliser dans le cadre de Manco Tara au Sénégal, ce qui fait que docteur Ablaye Ndoye est ici en toute solidarité dans le cadre de Manco, mais aussi il y a eu le PDS, les autres mouvements comme Ande Dolel Khalifa Sall, que ce soit Fall Khalifa Sall sous la coordination de Maître Nam dans la région. Nous venons aujourd'hui dire à tout le monde qu'il faut qu'on se mobilise pour le 3. Il faut que tous ceux qui sont épris de justice viennent soutenir Khalifa Sall le 3 janvier. Ou contre Khalifa Sall. Mais le problème est quoi? Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des femmes et des hommes de valeur. Nous ne devons jamais accepter par avance le fait que c'est un procès sans espoir, que nous n'allons pas nous battre. On va se battre jusqu'au bout et on va montrer à l'opinion, que ce soit une opinion nationale comme on le dit, ou internationale, que le dossier de Khalifa Sall est l'un des dossiers les plus ténébreux de l'histoire du Sénégal. Parce que jamais dans l'histoire du Sénégal, que ce soit colonial ou après la période coloniale, on n'a jamais vu le pouvoir ou l'appareil judiciaire puisse être dirigé contre une seule personne sans qu'on puisse lui laisser ni le temps ni les moyens de se défendre convenablement.